Depuis un peu plus de 5 ans, nous nous sommes donnés pour mission de vous informer, vous instruire, vous divertir à travers des témoignages reçus sur le plateau de CMidi, des témoignages plus différents les uns que les autres. Nous y mettons beaucoup d'amour, de passion, mais surtout de bonne humeur. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous incontournable de la mi-journée. Bienvenue dans CMidi, mais surtout, merci de rester avec nous. Merci infiniment. Applaudissez-vous bien. Oh, merci, Seigneur. Vous l'avez remarqué aujourd'hui, l'équipe de CMidi se conjugue au masculin. Vous avez Dr Philo. Yo, applaudissements. Wow. Alousen Sidibé. Attitude. Et Paulus Agaton. Voilà. Maintenant, applaudissez, parti m'asseoir. Wow. Il parle des choses, là. Vous me faites des... Quelle élégance. Ça vous manque les applaudissements? Quelle beauté. Un peu quand même. Un peu beaucoup. Ouais, un peu beaucoup. Vous nous manquez, Ouais. Mais bon, on espère que tout ça va se régler assez rapidement, qu'on puisse vous retrouver, qu'on puisse retrouver la chaleur légendaire de ces midis. Je vous en prie. Et je sais que quand le public va venir, ça sera encore bizarre. Il va falloir s'habituer encore au public. Mais non, on ne peut pas oublier ça. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Ouais. Alors chaque jour, vous le savez, on a un thème qui nous rassemble. Ouais. Et celui de ce jour est le suivant. Alors. Peintre, la télévision a suscité mon talent. Mmh. Alors, je ne sais pas, sur le plateau ou ici, comment ça se passe? Hein, on va revenir, je vais prendre. Parce que je sais que la télévision a suscité beaucoup de choses. Je sais. En tout cas, si moi je suis là, c'est parce que une fois, je regardais un film. Et puis j'ai envie d'être journaliste, voilà. Donc je ne suis pas très loin quand même, donc c'est pas mal. Notre invité du jour, il s'appelle Monsieur Doudou Brice, il est artiste peintre. Il est hyper talentueux, extrêmement passionné. On va le retrouver dans quelques instants, mais avant ça, son portrait. Aujourd'hui, CMidi reçoit un véritable virtuose du pinceau. Né le 14 novembre 1978, Doudou Naounou Brice est un artiste peintre spécialisé dans le semi-figuratif avec un goût prononcé pour le monde rural. Issu d'une famille de 14 enfants, Doudou Brice étale déjà depuis la classe de CM1 à l'école primaire de Soubré son talent de peintre. Après l'obtention de son brevet de son second cycle, il fait ses armes en formation spécialisée au Conservatoire des arts et métiers d'Abengourou, ce qui va durer 4 années. Avec plus de 10 ans de carrière, il participe à la réalisation de grandes fresques à travers la Côte d'Ivoire et fréquente bon nombre d'ateliers de peintres de renom. Ce père de 4 enfants, designer et dessinateur passionné et inspiré qui fait de ses enfants le sujet de son inspiration, nous dévoile la source de son talent. Restez avec nous sur le plateau de CMidi pour le découvrir. Doudou Brice s'installe, un portrait qui a été écrit par Marie-Ange Emienne et lu par la somptueuse voix de Nafi Touré. Merci, bonjour. Bienvenue sur le plateau de CMidi. Ouais, merci. Vous allez bien? Ouais, ça va. Vous êtes content d'être là? Très content. Ça se voit, hein? Oui, oui. Voilà. Alors, dans cette émission, avant de démarrer votre témoignage, on a un passage obligatoire. En tout cas. Obligatoire. Il y a un monsieur ici qui donne son avis. Qui pleuve, qui neige, qui vente, qui coronavirus, il donne son avis. C'est Dr Philo, on le retrouve tout de suite. Le thème du jour, selon Dr Philo. Yeah. Ouh, c'est bizarre quand même. Quand on se dit, vous dites putain même. Mais la télévision a suscité votre talent, c'est ça, de peintre. Mais attends, nous on fait de la télé chaque jour, c'est au quotidien. Nous, je veux dire que à partir de ce moment-là, on parle de mass média. Voyez un peu, c'est pas la télévision seulement. Les mass médias. Sinon, ça dit qu'on est mass média. Ça, c'est en anglais même. Sinon, on dit médias, les médias de masse. Monsieur le truc. Alors, je viens vous dire. Non mais attends. Même le digital, là, ça fait partie des mass médias. Monsieur Paulus, vous n'allez pas me dire le contraire. Vous voulez convaincre Monsieur Paulus. Docteur, je vous écoute. Voilà. Donc, ça vous... je vous dis que non, quand vous regardez la télévision, que vous suivez un documentaire de 5 minutes, que vous n'avez rien compris, c'est que vous payez facture de courant à la cadeau. Parce qu'il faut toujours... Il n'y a pas d'émission qui n'est pas intéressante, mais il n'y a pas de film. Il faut se concentrer. La télévision, ça éveille les consciences. La télévision, même la télévision même peut te permettre de toi-même te connaître toi-même. C'est ça le rôle de la télévision. La RTI, c'est la chaîne qui rassemble. C'est pas, puis toutes les émissions ont une ligne éditoriale. Exactement. Voilà, une ligne éditoriale. Je vois souvent les gens dire sur les réseaux sociaux, « Ah, Philo, il me voit, pourquoi vous n'envoyez pas les gens qui ont corona là sur votre plateau ?» Non, on dit la chaîne qui rassemble. On n'a pas dit la chaîne qui coronatise. On ne peut pas envoyer des gens qui sont sous copie. La vie est un choix. Donc je veux dire, voilà, mais attends. Puis quand vous regardez là, c'est pourquoi on parle de mass-médias. Médias,
Ça vient de méditation. Quand vous regardez, il faut prendre ce qui est bon. Ça vient de méditation. Méditation. Mm-hmm. C'est pas parce que tu es à la maison avec moi, on est en train de regarder le film des Blancs, la femme a giré son chéri, et puis toi, tu as venu me gifler. Oui. Vous allez gifler, je vais mettre le gopot dans tes yeux. Traduction. Oui, mais c'est pour vous dire que c'est en langue, donc ça n'a pas de traduction. Donc la télévision, c'est ça. C'est chaque ligne, voilà. Je veux dire que c'est ça. Vous regardez, je ne vais pas m'adresser aux femmes qui regardent les films de femmes, façon là. Voilà, les nouvelles ou autres, les films ou autres, le truc là. Quand vous regardez Ruby là. Rugby là, vous avez déjà vu Rugby a fait ses conneries. Rugby. Elle a demandé une fois transfert avec toi. Jamais. Il faut prendre ce qui est bon. Il faut prendre ce qui est bon. C'est une masse de médiatisation. C'est déposé devant vous et vous pouvez trouver pour vous dedans. Vous en faites bon usage et puis c'est tout. Sinon, hein, on est là même là. Il y a toutes sortes de films. Sinon, il y a des films là. Il y a les télévisions de la main là. Il y a des chaînes qui rassemblent. Il y a des chaînes qui tuent. C'est pourquoi vous voyez, oui, il y a des chaînes de télévision où tu vois des films où le titre est le tueur tué dans la tuerie, qui ont tué tous ceux qui ont tué durant la tuerie des tueries. Et je parlais de digital et police. Il fait, non, tout ce que vous regardez à la télévision, il y a toujours une leçon de moralité derrière. Il y a toujours quelque chose qui est bon. Sinon, lui, ce qu'il fait là, deux minutes, puis comprendre. Il peut appeler ça expertise de sujets divers. Mais pourquoi il dit deux minutes pour comprendre? Pour inciter les gens à écouter et à comprendre. Il y en a même qui disent deux minutes pour comprendre, là, ils comprennent rien dedans. Mais ils sont assis. Tu paies courant cadeau. Et la télévision suscite toujours quelque chose en nous. Et moi, personnellement, voilà, ça me donne le goût à la vie à travers nos différents thèmes ici. Ça m'a formé, c'est une école de la vie, tout sort de sujets sur ce plateau. Merci. Voilà. Et c'est puis... ici que s'achèvent vos deux minutes, mon très cher docteur Philo. Alors, la suite. Déjà? Quel impact? Non, laissez pour vos seigneurs, c'est pas tout, on règle. Ouais, c'est vrai. Voilà, merci. Quel impact la télévision a sur vous? Quel impact la télévision a sur vous? Moi, je suis curieuse justement de savoir ici, Paulus, quel impact la télévision a eu sur vous ou a sur vous? Plus jeune, à plusieurs niveaux, hein, parce que plus jeune, j'ai eu l'opportunité de regarder un film racontant une histoire d'informaticien et ça m'a donné envie de m'intéresser à l'univers informatique. Oui. Du coup, vous comprenez pourquoi je suis toujours au contact de tout ce qui a été ici. Il n'y a jamais de hasard, d'après Jean-Michel Henin. Et vous? Moi, j'ai été bercé par les mangas et les documentaires sur la technologie et les animaux. Et ensuite, la télévision m'a donné envie d'être un modèle, une sorte de valeur pour ma communauté. Et ça m'a sorti de ma zone de confort, ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi. Et je suis ce que je suis. Vous avez compris quelque chose dans ce qu'il a dit? Oui. C'est peut-être à cause du masque. Écoutez fort. En un mot, merci la télévision. Et c'est mon cher Pater Nassimio vous a posé cette même question. Voici vos réponses. Chris Pater Nassimio, c'est votre opinion. Par exemple, la maladie qui est en train de faire ravage actuellement depuis la Chine, aujourd'hui, à travers la télévision, à travers les médias, on sait un peu ce qui se passe là-bas. En Italie comme en France, même à la télévision, ce qui se passe, on nous montre à la télévision. Et quoi que ça m'apporte quelque chose. Il y a l'éducation, il y a les enseignements aussi. Et puis, pour moi, l'enfant doit être aussi un enfant assidu, qui est intelligent, qui peut beaucoup apprendre. En suivant beaucoup la télévision. Oui, souvent, il y a des débats au niveau de la télévision, surtout la RTI. Il y a des débats où on parle au moins de la vie, tout et tout. Et des témoignages des personnes qui ont vraiment souffert dans la vie et qui ont réussi. Ils nous expliquent un peu leur vie. Ils ont eu tel chemin qu'ils ont emprunté. C'est des exemples, quoi. Nos enfants regardent les clubs des petits, les histoires qu'ils regardent. Ça leur permet d'améliorer leur niveau de langue. En tout cas, les enfants s'expriment bien avec les clubs des petits. Ça leur permet de bien s'exprimer. Merci pour tous ces éléments de réponse. Je tiens juste à préciser que l'invention de la télévision est l'aboutissement d'un long cheminement de découvertes et d'inventions faites dès la fin du 19e siècle. Le 26 janvier 1926 voit la première diffusion publique d'images télévisées par l'Écossais John Baird. Voilà, c'est toujours important. Voilà. Moi, j'ai cherché quand est-ce que la télévision a été inventée, mais je peux vous dire que vraiment, c'est un cheminement. Il y a un gars qui a créé ça, l'autre a inventé ça, l'autre a inventé ça, et finalement, ça a donné la télévision. Voilà. Comme on dit, c'est main dans la main qu'on arrive à faire des choses extraordinaires. Notre invité du jour, je le rappelle, s'appelle Doudou Brice, donc alias Doudou B. Vous êtes artiste peintre et passionné de dessin depuis la classe de CP2. Votre premier dessin a été inspiré d'un dessin animé de télévision d'époque. Après le collège, vous avez intégré le Conservatoire régional des arts des métiers d'Alain Gouraud pendant 4 ans. En 2014, vous avez commencé véritablement votre carrière professionnelle d'artiste peintre. Bienvenue sur le plateau de ces midis. Okay, merci. Tout ça, c'est intéressant. Merci, ouais. Mais comment ça a démarré?
Donc vous, déjà, vous étiez un enfant, bah, comme tous les enfants, vous aimiez regarder la télévision. Oui. Vous regardiez quoi? Je regardais beaucoup les dessins animés. Mm-hmm. Voilà. Et donc, j'aimais plus Belle et Sébastien. Oui. Voilà, qui était un dessin animé que je regardais beaucoup. Et j'étais en classe de CP2 lorsque la maîtresse nous a demandé un jour de faire des dessins sur nos ardoises. Et donc, moi, j'avais que Belle et Sébastien qui me passaient par la tête. Donc, j'ai reproduit ce dessin. Elle est passée dans les rangées. Elle a pris mon ardoise. Elle a présenté aux autres élèves et elle a dit, voici le meilleur dessin de la classe. Donc, depuis ce jour-là, ça a mis quelque chose en moi. Quoi. Ah, voilà. J'imagine. Voilà. Vous étiez content, parce que j'imagine la fierté. Vous savez, quand vous arrivez, vous êtes nombreux en classe. Et la maîtresse dit, vous ne pouvez pas faire comme votre ami, là. Voilà. Il est fort. Okay. Ça suscite un... C'est important. Oui. C'est important. Vraiment. Donc, même quand... avant ça, je dessinais sur les murs, les portes. De la en maison. En tant qu'enfant, je partais. Mais depuis, elle a choisi mon dessin pour le meilleur dessin. Bon, j'ai commencé à tout salir maintenant, quoi. Ah, voilà. Merci à la maîtresse. Merci aux maîtresses, vraiment. Les maisons des gens souffrent, les murs souffrent, les portes souffrent. Big up à toutes les mamans, c'est pas facile, surtout dans cette période. Il y a courage. Alors, donc, vous allez faire ce dessin-là. Oui. Et d'ailleurs, je rappelle que c'est un dessin animé qui est assez touchant, qui raconte l'histoire d'un petit garçon solitaire qui va rencontrer une chienne qui est en fuite. Et ils vont avoir une petite histoire, voilà, qui va durer très longtemps d'ailleurs. Et vous, vous allez faire ce dessin-là. Voilà, j'ai fait le dessin et quand j'ai été... Mon travail a été choisi pour le meilleur dessin, donc j'ai continué à dessiner toujours par terre et autres. En classe de CE2, déjà, là, au CP2, j'étais à Mans. Mm-hmm. Au CE1, j'étais à Soubry. D'accord. Et donc, en classe de CP2, déjà, les maîtres du CP1 et du CP2 me sollicitaient déjà pour venir faire les dessins par rapport aux leçons qu'ils doivent donner aux élèves. Vous étiez la star, et donc, en le faisant aussi, ça, je me perfectionnais toujours comme ça. Et au CM1, on a reçu des élèves de Beaux-Arts. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une école d'art. Moi, je le faisais par amour comme ça. Et ces élèves-là sont venus, ils nous ont présenté des portraits qu'ils réalisaient. Mm-hmm. Moi, qui étais la star au CM1, tout le monde disait, Doudou, il est fort, il dessine bien. Doudou est resté tout triste parce que il ne pouvait pas faire ce qu'il voyait. Vous n'avez pas le même niveau, hein. C'était chaud. Il ne pouvait pas faire ce qu'il voyait. Donc, il s'est posé maintenant des questions. Mais donc, je ne suis même pas à un bon niveau, même en dessin. Il y a des personnes qui font ça. Ouais. Et donc, après leur visite aussi, ça a suscité quelque chose en moi. J'ai commencé à récupérer les photos des amis, des parents. J'ai commencé... Et je me suis auto-formé en portrait, en fait. En le faisant, j'ai continué. Et puis, bon, au collège, voilà. Au collège, en classe de 5e, j'ai eu mon premier professeur, ma source de motivation, parce que ce monsieur, en tant qu'élève, bon, je voyais ses travaux, comme ces élèves qui sont passés chez nous au CM1, mais je me disais, mais il y a des personnes qui font des trucs que moi j'aime, mais est-ce que je peux faire, je peux arriver jusqu'à là. Je précise que c'est le professeur d'art plastique. D'art plastique, monsieur Akesika, voilà, que je salue au passage. Et en dehors de la classe, je me retrouvais chez lui à la maison les samedis, juste pour le voir travailler. J'aimais ça, je voulais vivre que de ça. Voilà. Pendant que mes amis faisaient des clubs de mathématiques, d'anglais et autres, moi j'avais un ami du nom d'Achille Baeto, lui et moi, deux personnes, on se rassemble, on fait nos dessins chez nous à la maison, et aussi chez lui à la maison. Alors ça, j'imagine que vos parents, ils ne devaient pas être très contents. Oui, ouais. Moi surtout, mon papa, il est arrivé à un moment. Mon père trouvait que je prenais toute ma vie, tout mon temps à dessiner. Lui, les parents avant comprenaient que quand un enfant jouait au ballon, qu'il dessinait, qu'il faisait, bon, c'était pas ça. On voulait voir le docteur, mon fils doit être docteur et tout. Donc mon père arrivé à un moment a voulu que j'aille au village. Voilà, parce qu'il trouvait que je dessinais, je prenais mon temps à dessiner. Donc il fallait que je parte au village. C'est comme ça, ma mère est venue me récupérer. Elle m'a envoyé à Abidjan, puisqu'ils ne sont pas ensemble. Elle est à Abidjan, lui, il a soubri. Elle a eu foi en moi. Une dame que je remercie aujourd'hui. Ah, c'est important de remercier les mamans. Oui, mon cher Paulus. Justement, c'est vrai que vous avez pris du temps à dessiner pendant que vous étiez à l'école, mais est-ce que cela avait un impact sur les résultats scolaires? Est-ce que votre moyenne diminuait, par exemple, les notes? Bon,
Pas ça, je faisais quand même l'effort d'être bon partout, mais j'avais une matière de base. Le dessin. Coefficient 1, quand même, en règle générale. Donc bon, je ne sais pas si c'est suffisant pour avoir une très bonne moyenne, mais enfin. Donc, vous voulez rentrer dans une école, vous perfectionner, oui. Votre père ne veut pas, mais votre mère va justement accepter que vous rentiez au conservatoire. Oui. Voilà. Et donc, elle m'a récupéré, j'étais avec elle, voilà, et puis je me débrouillais, hein, je faisais des portraits des gendarmes parce qu'elle était dans un camp de la gendarmerie, elle, son mari, donc je faisais des portraits et arrivé un moment, elle a voulu que je parte maintenant dans une école d'art. Voilà. Et je me suis... Qu'est-ce qui va se passer dans cette école d'art? On va revenir sur cette question. Gardez-la bien en mémoire, hein, juste après la vie. On ne dira jamais assez le respect des mesures barrières sauve des vies. Voilà. Autour sur le plateau de ces midis avec notre invité, M. Doudou Brice, alias Doudoubé, passionné de dessin et qui a voulu en faire toute sa vie. Votre père n'a pas accepté que vous alliez dans une école vous former. Votre maman a accepté tout de même. Oui. Vous avez pu rentrer dans cet établissement-là. Oui. Vous êtes resté au conservatoire pendant 4 ans. 4 ans de formation. Tout s'est bien passé, vous avez été bien formé. Oui, en première année, voilà, je suis entré au conservatoire. J'étais déjà en première année lorsque je m'exprimais bien. Tous mes amis voyaient mes travaux que je faisais. Pour eux, j'avais déjà fait une école d'art pour être là. Okay. Or, c'était la toute première fois et je me sentais tellement heureux parce que j'étais dans mon univers maintenant. Donc, les 4 ans se sont bien passés. J'avais pour personne que je voulais ressembler étant à l'école là comme... Monsieur Amon Bat, Timao, c'est des personnes que j'ai approchées pour pouvoir, en dehors de l'école, pousser encore plus fort ma connaissance. Quoi. Et donc, les 4 ans se sont bien passés. La preuve, j'ai été le meilleur de ma promotion de la première année à la quatrième année. Waouh. En tout cas, ça veut dire que vous étiez passionné. Oui. Et ce qui est important dans votre histoire, c'est que vous avez pris la peine de vous former vous-même. Oui. Sans attendre d'avoir des profs ou de rentrer dans une école professionnel. Oui. Donc, du coup, vous êtes parti avec déjà une longueur d'avance, comme oui. on dit. Oui. Mais quand on rentre dans une école professionnelle pour apprendre à dessiner, donc pour être peintre, est-ce que vous aviez des modèles auxquels vous vouliez ressembler? Est-ce oui. que vous voyez des artistes, de grands artistes, oui. par exemple? Oui, j'avais des modèles parce qu'en son temps, quand j'étais à l'école des arts, il y avait Jacob Bleu, qui est un très grand peintre ivoirien. Ah oui, il y avait Monet Bou. On connaît bien d'ailleurs. Voilà, Monet Bou, Jamsoura, père à son âme, qui est décédé récemment. Et à mon bat, c'était mes modèles. Je voulais ressembler à ces peintres ivoiriens-là. J'imaginais voilà. que quand vous regardiez des émissions à la télévision voilà. de peinture, de d'art, peinture, il y avait l'art en mouvement dans le temps. Voilà, je ne loupais pas ces occasions-là à la télé. Quoi. D'accord. Voilà. Mais comme on dit, entre la théorie et la pratique, il y a un gouffre comme ça. Vous ouais. sortez avec votre diplôme. Dans la vie active, comment ça se passe? Est-ce que les réalités sont aussi simples? La réalité. Dans la vie active, quand j'ai fini en 2014, c'était pas facile. Quand j'ai fini ma formation, je suis allé dans l'atelier de Jacob Bleu. J'ai fait 4 ans là-bas avec lui. Mais il fallait quand même que je me batte. Hein. Ce n'était pas peut-être ce à quoi je m'attendais, mais il fallait maintenant que j'affronte la réalité de la vie. Ce n'est pas tout le monde qui aime payer les œuvres. Et donc, j'avais... choisi d'aller voir les galeries, donc j'avais pas trop de moyens, je soulevais mes tableaux, je pouvais quitter, si vous connaissez Eden, le quartier Eden en Pouto, à pied pour me retrouver au Vallon. Wow. Et je venais présenter mes tableaux à des galeries, c'était même pas évident qu'on garde mes tableaux, je reprenais encore et puis je partais. C'était difficile, mais je savais pas pourquoi, je pouvais pas aussi laisser parce que j'avais choisi. Et donc, c'est un corps de métier qui est méconnu, on va dire ça voilà. comme ça. Et dans la tête de beaucoup de personnes, on ne peut pas en vivre. Voilà. Donc, est-ce que vous avez été victime d'humiliation, des personnes qui vous ont dit « Ah, vous passez votre temps à dessiner, vous ne servez à rien ». Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Oui, parce que je suis d'une grande famille du côté de mon père. Et donc, il arrive parfois qu'il y a des réunions de famille, il y a des obsèques et autres, on doit se réunir pour participer à des fonds. Mais j'entends beaucoup de choses. Brice, lui, il est là, il dessine, il n'a jamais rien. Et puis, c'était difficile d'apprendre ça. Ça me choquait, mais je n'avais pas le choix, j'ai choisi. Il fallait quand même que je tape fort, parce que j'ai un objectif. Quoi. À aucun moment, vous avez eu envie d'abandonner? Jamais. De changer jusqu'à aujourd'hui où je suis de en face de vous, pardon. J'ai jamais eu une petite... J'ai été frustré.
sur beaucoup de choses. Mais pour dire que le découragement m'a envoyé à penser un tant soit peu que je devais laisser la peinture jamais jusqu'à aujourd'hui où je suis devant. D'accord. À Lucien. Alors, je demandais quelles sont les techniques que vous utilisez pour peindre et comment vous décrivez votre art. Okay. Moi, je suis peintre figuratif, comme ils l'ont dit tout à l'heure. Voilà, ma technique, c'est l'acrylique. Quoi. Voilà. Vous avez dit peintre figuratif. Figuratif. À travers mes œuvres, quand vous voyez directement la scène que je vais reproduire, que je présente au fait. Voilà. Bah, quand vous dites peintre figuratif, ça veut dire quoi? Parce que pour le profane que je suis, oui, c'est ce que je suis. Ce qui est devant vous, c'est ce que vous dessinez. Tout à l'heure, quand vous regardez par exemple le tableau qui est présent devant nous, oui. On vous demande, Philo, qu'est-ce oui. que vous voyez? Mais je vois une jeune fille qui. Merci. Une petite fille. Voilà. Justement, c'est parce que l'œuvre est figuratif que tout de suite, vous avez su que c'est une jeune fille. D'accord. Parce qu'il y a l'abstrait. L'abstrait, oui. Mm-hmm. L'abstrait, vous allez voir des coups de pinceau, des peintures. Mais on n'arrive pas à définir ce que c'est également. Je veux dire que c'est l'abstrait peut-être qui marche un peu au fait. Est-ce que vous avez pensé à ça? Quand vous parlez des funérailles, on ne vous considère pas et autres. Vous avez des problèmes d'argent. Parce que ça, tout le monde, moi je peux le faire. Oui. Oh, l'abstrait. Ah, ça, ah bon? Vous pouvez dire. Docteur Philo. Un enfant qui ne peut pas dessiner un enfant qui est un. Non, vous ne pouvez pas. Mais c'est là où j'ai vraiment mal qu'on n'ait pas, je sais pas, une toile, des pinceaux. Ce que vous êtes capable de faire. Mais c'est quoi la particularité de votre style? Parce que vous êtes plein de figurines. Il y a plein de peintres figuratifs aussi. Mais quelle est la particularité de votre style, vous? Déjà, par mes touches que vous voyez, regardez comment je représente les visages des personnages. J'ai pas mal de tableaux qui vont défiler. Et puis, bon, c'est mon écriture personnelle. C'est-à-dire, vu la façon dont mes touches et autres, quand vous allez voir mes œuvres, peu importe un endroit, vous saurez déjà que c'est Doudou Brice. De toutes les manières, c'est ce qui est assez fascinant. Et mon thème, c'est je peins sur l'amour fraternel et mes scènes sont beaucoup des scènes d'enfants. Voilà, des enfants en joie, des enfants en train de s'amuser, le sourire et autres. Voilà. De toute façon, chaque artiste a son, comment on dit ça, son identité. Voilà, voilà. Même si on a demandé à deux artistes de dessiner la même image, la touche ne sera pas pareille, voilà. C'est sûr. Alors, donc vous avez vécu toutes ces galères, malgré toutes ça, vous êtes resté accroché à votre art. Oui. Il va se passer une chose, une rencontre, qui va vous permettre de gravir les échelons, comme on dit. Oui, oui. Parce que après ces moments difficiles-là, j'étais allé faire un travail chez l'ancien gouverneur, M. Amondi. D'accord. Et lorsque les responsables du district m'ont découvert, ils ont vu que je faisais un bon boulot. Donc on m'a fait appel au district d'Abidjan. J'ai fait 3 années là-bas, étant bénévole. D'accord. Voilà, et suite à ça, il y a mon ami Aboudia que vous connaissez bien, qui était dans l'avion avec un responsable du district quand il a parlé de moi. Et donc, il m'a demandé de rentrer en contact avec cette personne-là. Et suite à ça, je suis allé voir la personne, il a vu mon travail, j'étais vraiment, il aimait mon travail. Et donc, il a décidé comme ça de parler de moi au gouverneur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire les parchemins. Des parchemins où tous les chefs d'État de passage à Abidjan ont une marque de Doudou Brice et avec quoi ils vont. Voilà, donc jusqu'à là, c'est ce que je fais. Voilà. Donc ça va maintenant? Oui, je me plains pas. À ce moment, qu'est-ce que vous vous dites? Vous qui sortiez de l'atelier de Jacob Brice, qui j'espère que je n'écorche pas le nom, c'est ça? Oui, Jacques, c'est ça. Voilà, qui avait les rêves pleins la tête, les étoiles pleins les yeux, le parcours qui était vraiment difficile. Quand on vous envoie à dessiner des parchemins pour des chefs d'État et tout, on se dit que c'est la consécration, c'est ça? Comment? La question, je n'ai pas trop bien. Je demande, est-ce qu'à ce moment, lorsque vous faisiez des parchemins, c'est ça, des parchemins? Oui, des parchemins. Pour des chefs d'État. Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, vous dites que c'est la consécration pour vous? Oui, ça a été pour moi quand même un temps de gloire et de joie, sachant de là où je suis parti jusqu'à aujourd'hui, savoir que quand même le coup de pinceau que Doudou fait, un président vient chaque fois le gouverneur, alors ça j'ai été heureux de voir ça. Vous avez eu l'argent quand même. Voilà. Bon, l'argent, on finit pas de chercher, mais on a souvent, on a eu quand même. Là, peu, voilà. Bon, en tout cas, on va dire que votre situation est meilleure que qu'avant. Qu'avant. Voilà, parce que c'était difficile avec les enfants. Ouais. Je comptais sur ce que je faisais pour pouvoir nourrir mes enfants. Oui, aujourd'hui, quels sont vos objectifs? Après ça, quand même, j'ai eu
Après 2 années de ma carrière à consacrer aux orphelins, voilà. J'ai pris 2 années à consacrer aux orphelins. Voilà, d'accord. Je suis allé travailler avec les orphelinats, j'ai fait des dons de fresques, des grands tableaux contre chaque dépend des murs dans chaque établissement ça. Que vous allez voir. Ça a été un don de moi. Et la seconde année, je suis allé faire peindre même les enfants, où on a pu vendre leurs tableaux pour que voilà, les gains retournent à ces établissements. Donc d'accord. J'ai pris 2 années pour consacrer à ces enfants. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui, je continue mon chemin, je me bats toujours. Je devais faire ma première grande exposition, mm-hmm. qui devait être même un événement. Il y a Pépé Olivier qui devait vraiment faire de mon exposition un événement. Et malheureusement, pour la crise que nous savons... Mais c'est rien, c'est juste décalé un tout petit peu. On reviendra pour ça, il n'y a aucun problème. Moi, je devrais me marier, hein, mais voilà. La crise a également aussi... Souffle ici, non, c'est pas possible. Alors, moi, j'ai envie de vous poser une question. Aujourd'hui, tout est possible, d'accord? Vous fermez les yeux, quel est votre rêve absolu? Aujourd'hui, la chose qui va vous arriver, vous allez vous dire, waouh, j'y suis arrivé. Voilà. Mon rêve, c'est sur 2 volets. Hein, voilà. D'accord. Ok, je veux aujourd'hui, de là où je suis quitté, je vais être un exemple pour tous les jeunes. Et puis, pouvoir présenter mon travail partout. D'accord. Voilà, ici comme ailleurs. Représenter votre présenter. Pays. Et je rêvais depuis tant d'années croiser l'ex-première dame, Madame okay. Henriette Conan-Bédier. D'accord. Parce que nous partageons les mêmes valeurs. D'accord. Je pense qu'avec elle, je pourrais bon. Réussir tous ces projets. Écoutez, l'avantage de cette émission, c'est qu'elle est regardée par tout le monde. J'espère que votre appel sera entendu. Voilà. On est très contents de vous avoir reçu sur le plateau de ce midi. Je vais vous demander de regarder cette caméra, d'accord, et de lancer un message, premièrement, à ces parents-là qui ont des enfants qui ont envie de devenir artistes et qui se disent c'est difficile, ils ne vont pas y arriver ou on veut quelque chose de meilleur pour cet enfant-là. Et puis ces jeunes qui sont dans votre cas, qui sont un peu perdus, qui ne savent pas trop quoi faire et qui ont envie d'abandonner. Voilà. Ouais. Bon, moi, comme je le dis hein, chaque fois quand je suis devant ces jeunes-là, je leur dis de croire en ce qu'ils font. De croire en ce qu'ils font, de ne pas baisser les bras, d'aimer surtout, d'avoir l'amour de ce qu'ils font. De ne pas baisser les bras. Voilà, de toujours continuer à se battre. Voilà. Voilà. Il ne faut pas qu'ils se disent chaque fois, bon, j'ai commencé à faire ça, je ne gagne rien, je pas. Ne regardez pas tout ça. Aimez le travail que vous voulez faire. Aimez. Demain a quand même des grandes surprises. Quoi. Voilà. Ah, franchement, merci. Bravo pour ce parcours. Aujourd'hui, enfin, comme je dis, ça va. Hein, vos toiles se vendent pas mal quand même. Mmh. Hein, oui. On va pas donner de montant, mais c'est pas mal. Mais bon, moi, je pense quand même pour l'énergie, pour le talent qu'il y a derrière, évidemment, il faut permettre à nos artistes de pouvoir vivre de leur art. C'est important. Voilà. Parce que s'il n'y a plus d'artistes, franchement, la culture aussi meurt quelque part. Merci, merci infiniment. On n'est pas nombreux, mais on va vous applaudir quand même. Merci, voilà, merci d'être passé sur le plateau de C'est Midi. Tout de suite, on aura le moment Covid-19, à l'instant coronavirus, avec notre très cher et tendre consultant, 5 étoiles, Paulus Agathon. Mais avant ça, la pub. Bonjour, Tanti. S'il vous plaît, je cherche une cabine pour faire transfert. Ma vie, toi, tu n'as pas un compte Move Money. Il faut acheter une unité avec ça. C'est simple. Avec Move Money, je peux acheter du crédit de communication. Aïe, ah, yeah. Alors, tu sais ce que Move Money peut faire pour toi. Hein? Oui, avec Move Money, achetez des unités ou rechargez un proche. Tapez étoile 155, étoile 3, étoile 1, dièse. Avec Move Money, profitez! Profitons de notre cher Paulus Agathon, qui depuis quelques mois, on va dire quelques semaines, c'est bien mieux. Est calé comme calmant. Spécialiste maison Covid-19. Mon cher Paulus, le point. Ouais. On va faire un petit point quand même. Eh bien, écoutez, très chère Jessica, en ce qui concerne le point de la situation du coronavirus en Côte d'Ivoire au 15 avril 2020, notre pays enregistrait 16 nouveaux cas confirmés de maladies à coronavirus, 32 nouveaux guéris, et ce qui porte désormais à 654 le nombre total de cas, 146 le nombre total de guéris et 6 le nombre de décès. C'est clair qu'avec ce nombre de cas qui ne cesse de croître, il y a toujours des questions qui ont besoin de réponses. Et c'est justement ces questions qui vont nous amener à recevoir notre spécialiste. Exactement, wow. Docteur Linda Kabouré, je rappelle, est docteur en pharmacie, marraine et tradit praticien de Côte d'Ivoire, présidente d'Africa Santé. Et là, évidemment, pour répondre à toutes vos questions que vous avez laissées sur la page Facebook de C'est Midi, sur la page Instagram également. D'ailleurs, on va la recevoir comme Docteur Lyon.
Docteur, franchement, vous êtes bien habillé. Hein. C'est vraiment le bleu, le blanc, franchement. La sortie avec le masque, tout ça. Le cachet. Pas... C'est ça. Non, bonjour, ben, docteur Caboret. Bonjour, comment ça va? Bienvenue sur le plateau de Semidi. On est très contents de vous recevoir. Hein, voilà, franchement. Moi aussi, je me demande ce que Paulus a réservé pour... Paulus a toujours des choses bien. Allez, Paulus, c'est parti. On va parler de groupe sanguin aujourd'hui. Ça sera d'ailleurs la première question. Ouais. Elle est de Fleur Kofi. Elle dit, j'aimerais savoir si, comme on entend un peu partout, ceux qui sont du groupe sanguin O, particulièrement O positif, sont immunisés à la maladie. Non, attendez la réponse d'abord. Mais... Non, je n'ai pas dit qu'on était immunisé. Je dis voilà. Nous. En fait, c'est tout. Okay. En fait... Le groupe O, surtout les O+, c'est les donneurs universels. C'est-à-dire qu'en temps normal, les O+, fabriquent des anticorps anti-A, anti-B. OK. Les plus. Donc, on est dans la période de recherche de traitement. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que vous lisez sur Internet. Ils sont en train de chercher... Si les anticorps développés par les O+, peuvent permettre de protéger parce qu'ils en développent plus que les A et les B. D'accord. Et même les O-. Moi-même, je suis O-, c'est très rare. Et d'ailleurs, quand une femme accouche, j'en profite, qu'elle est A ou B et pour ses grossesses futures, vous savez qu'il y a des piqûres qui coûtent un petit peu cher, qu'on doit injecter 72 heures. Après l'accouchement, pour que justement éviter qu'il y ait des rejets après. Donc, c'est tout ce phénomène-là. Ça ne veut pas dire que les O sont plus protégés que les A et les B. D'accord. C'est dans le cadre des recherches scientifiques. Donc, il ne faut pas déjà crier victoire. La seule protection, c'est de se considérer contaminé et respecter les mesures barrières. Tant que les recherches scientifiques ne sont pas terminé. Donc, lire sans comprendre Internet, enfin, ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est un axe de recherche de médicaments futurs contre le Covid-19. D'où l'importance de pouvoir vraiment faire la différence entre les fake news et les real news. En fait, ce n'est pas une fake news, c'est un point de recherche. Ça a été mal comme on a remarqué aussi que ceux qui sont guéris ont dans leur sang des anticorps, je parle de totalement guéris, hein, ont développé des anticorps qui les immunisent contre la maladie, quand ils ne se réactivent pas. Donc ceux qui sont guéris. Ceux qui sont guéris. Dans leur plasma, il a été découvert qu'il y a des anticorps. Est-ce que ces anticorps qu'ils ont fabriqués peuvent permettre, en récupérant le plasma, de sauver les futurs malades. Tout ça, c'est de la recherche. D'accord. C'est pour axer... Donc, chaque scientifique est en train de travailler, rechercher, mais c'est pas encore... C'est une nouvelle maladie, donc... Voilà. On n'est pas encore sûr à 100% de quoi que ce soit. D'accord. Non. Donc, il faut éviter de Dieu merci. D'accord, bien. Paulus, la suite. Alors, nous avons cette fois-ci une question de Vincent l'Intouchable. L'Intouchable. Et Vincent l'Intouchable a décidé de nous envoyer au sauna. Il dit, est-ce qu'aller au sauna, si possible, 2 ou 3 fois par semaine, peut permettre de se débarrasser du coronavirus? Puisque les Chinois nous ont dit que le virus ne survit pas à plus de 60 degrés, par exemple. Alors. Alors. Une fois que le virus est rentré dans votre sang, on vient de dire que les anticorps, tout ça était présent dans le sang, qu'il est passé par les muqueuses, les yeux, le nez et la bouche, après le contact, tout ce que vous pouvez faire, c'est aller transpirer, mais vous n'allez pas l'éliminer. Mais ça ne peut que vous faire du bien. Mais ça m'étonnerait, à part avoir un sauna à domicile, que les saunas soient ouverts, étant donné que ce sont des lieux publics. D'accord. Donc, l'intouchable, il a un nom qui dit qu'il est en train de respecter la distance, puisqu'on ne peut pas le toucher. Donc, il n'a qu'à respecter les mesures barrières. Il va à son sauna, peut-être qu'il a un sauna privé, mais dans la cabine tout seul, sans personne, ça ne peut que lui faire du bien de transpirer, éliminer tout ça.
Mais ça n'enlèvera pas Corona s'il est à l'intérieur. Mais justement, ça revient donc justement à parler de cette histoire. Il y a des personnes qui s'asseyent sous le soleil. Oui, moi j'ai entendu ça. Sous le soleil, parce que le soleil va tuer le virus. Je ne sais pas, docteur. Nous, on a beau le dire, mais comme nous, on n'est pas médecins, si vous pouvez leur dire que ça ne fait pas, ils n'ont qu'à quitter sous le soleil. Déjà, Abidjan, il fait chaud. Déjà. Au Burkina, il fait encore plus chaud. Plus on monte, plus il fait chaud. Et pourtant, il y a des cas. Donc, les pays où il fait chaud, il y a des cas. Donc, cette théorie, c'était au départ parce que c'est arrivé dans des zones d'hiver. En Chine, il y a l'hiver. Les pays occidentaux, il y a l'hiver. Et comme l'Afrique n'était pas touchée, on a dit, bon, ben, ça. Mais après, on s'est rendu compte que c'est à partir de 60 degrés. Ah, oui. Wow. Donc, à moins d'aller dans une montagne dans le désert à 60 degrés, moi, je ne sais pas où ils vont trouver 60 degrés. Si eux-mêmes, ils vont griller, ils vont cuire. Donc, ça allait se chercher encore d'autres problèmes. D'aller, au contraire, il ne faut pas aller pour aller faire monter la fièvre et tout ça. D'accord. Mais docteur, généralement, ces cas-là, c'est des cas qui viennent, c'est des personnes qui viennent de l'extérieur, qui viennent contaminer les gens. Au Burkina, par exemple, on a dit qu'il y a des cas, c'est des personnes, il y a des personnes qui sont venues de l'extérieur. Donc, c'est des cas frais, pas des cas chauds. Docteur, moi, j'ai une question. Vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question. Je veux vous rassurer que vous n'êtes pas obligé. D'ailleurs, mais ce n'est même pas une question même. Docteur, moi, j'ai une question. Un commentaire. Docteur. Nul et non avéré. Je dis que c'est juste un point de vue. Voilà. Oui, c'est votre point de vue. Docteur, donc, je disais, est-ce que les cachenets ont une durée de vie, parce que j'entends qu'il y a des cachenets qui font 24 heures, d'autres qui font 3 heures, d'autres qui font 6 mois ou 3 mois, je ne sais plus. Est-ce que les cachenets ont une durée de vie? Oui. Et peut-être même pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Alors, la discrimination sanitaire. Celui à personne n'a un PPF, FFP2. Ah non, on a le même ici. Policier, moi. Bon. Celui de police, il a une durée de vie de 3-4 heures. Pourquoi? On a toujours dit qu'il fallait mettre un Kleenex déjà pour protéger son. Et quand vous allez prendre l'habitude de mettre des Kleenex pour protéger votre masque, vous allez bien constater que votre Kleenex ne tient pas longtemps. Il ne tient pas parce qu'il est mouillé, il est souillé. Donc vous-même, quand vous parlez, vous le souillez de l'intérieur. Et ensuite, il reçoit toute la pollution, tous les postillons et tout ça de l'extérieur. Donc, et il n'est pas réutilisable parce qu'il n'est pas lavable. Vous avez un masque vidéo. Voilà, je vais montrer ce masque-là. Bon, voilà, c'était la projection du FFP2, finalement reçu. Yeah. Voilà. Ouais. Celui-là? Oui, pour stériliser son FFP2. Bien, yeah. Okay. Très bien. Et celui-là? Celui-là, il a une durée de vie de 4 à 8 heures. Okay. Il ne faut jamais le tenir par devant. Okay. Bon, il est neuf, mais... Quand vous dites devant, là? Oui, ici. D'accord. Ici, c'est la zone... Mais enfin, il faut prendre l'habitude de le tenir que par les élastiques. Ok. Comme ça, comme ceci. Voilà. Le tenir comme ça. Toujours tenir son élastique, son... Parce que si on prend l'habitude de le tenir, même quand il sera souillé, on l'attrapera par devant. Donc, pour éviter de contaminer le masque, en fait. Comme a expliqué Philo, docteur Philo, la dernière fois, on l'enlève par... Par là. C'est pourquoi il faut le suivre. Comme il a mis un joli masque aujourd'hui, il faut recommencer. Voilà, comme ça, il faut l'enlever. Comme ça, et on le remet par les oreilles. Voilà. On peut le poser sur la face souillée, mais on ne touche jamais l'intérieur. D'accord. Et on l'ouvre pour avoir, et on appuie un peu sur le menton, et on, sous les yeux et sous le menton. Alors celui-là, la vidéo, celui-là, c'est celui qui coûte plus cher, qui est utilisé par le... Par exemple, nous, en pharmacie, on utilise celui-là. OK. Oui, il y a la vidéo. Il dure 8 heures. 4 à 8 heures selon l'utilisation. D'accord. Maintenant, 4 à 8 heures. Mais seulement celui-là, il est vraiment protecteur. Ah. Et
y a des gens qui n'arrivent pas aussi à le supporter. Oui, il y a beaucoup, de personnes qui ne sont pas... Oui, moi-même. Mais c'est vraiment très, très protecteur. D'accord. Et ce n'est pas comme on dit, et il coûte cher. D'accord. Docteur, moi j'ai une question par exemple. Bon, lui, supposons. On ne met pas de Kleenex dedans parce qu'il a un filtre. Oui, il a un filtre. Il y a déjà il a un filtre à l'intérieur, un filtre pour l'air expiré, c'est-à-dire le vôtre, et un filtre pour l'air inspiré. D'accord. Alors, supposons que j'ai touché mon masque, par exemple. Oui. Je veux le stériliser, par exemple. Oui. Comment est-ce que je fais? Supposons que par mes gardes, je l'ai touché et je ne me sens pas très safe. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a un produit que je peux inspirer ou pas? Bon, normalement, on doit jeter, mais je le... Docteur Paulus... Il est devenu docteur. Docteur Paulus va pouvoir montrer une petite démonstration simple qu'on peut faire parce que les masques ne s'utilisent qu'une seule fois. Mais on a trouvé une petite astuce pour que chacun, s'il en a qu'un qui veut faire pendant 2 jours ou 3 jours et qu'il a utilisé que pour aller au supermarché ou quelque chose, pas 8 heures, il y a une petite astuce pour le stériliser. Ah, ben voilà, ben voyons. On prend une petite casserole. Voilà. Une casserole à poignée. Oui. Docteur Paulus, je comptais sur vous. Vous savez, il est stagiaire, c'est pas facile. Ah ouais. C'est ça. Et on met les deux élastiques là, on tire sur la casserole. Sur les oreilles de la casserole. On fait bouillir de l'eau. D'accord. Une casserole propre. Hein. Oui, bien sûr. On met les deux élastiques de chaque côté, le masque à l'envers. D'accord. On met le couvercle de la casserole. Il y a déjà un truc donc, comme ça. 5 minutes, on fait bouillir. 5 minutes. On attend, l'eau se dépose et après on accroche par l'élastique et il sèche. Alors, mais ça permet de le stériliser. Mais ça, ce n'est pas pour les gens qui sont exposés ou c'est pour le grand public. D'accord. Le grand public qui utilise ça peut utiliser cette méthode. D'accord. Mais pas nous, professionnels, qui sommes exposés tous les jours. Mais c'est valable que pour ce masque, c'est pas valable pour le masque pour de police. Non, c'est valable pour le masque d'Aloussène. Alors les masques en tissu. Les masques en tissu, on les lave juste solides en fait. Tous les soirs, on les lave. Tous les soirs. Même si vous avez changé le Kleenex 10 fois, vous les lavez tous les soirs. D'accord. Donc il en faut plusieurs. D'accord. Ok. Moi, je lave le mien 3 fois chaque soir, 3 fois. Non, on sait que vous faites ça. À l'eau et au savon. À l'eau et au savon. D'accord, ok, Paulus, la suite, s'il vous plaît. Alors, docteur, qu'en est-il de la manipulation? C'est vrai qu'on a évoqué brièvement la manipulation des masques, mais on constate qu'il y a certaines personnes, par exemple, qui retirent leur masque par moment, le mettent au niveau du menton. Est-ce que c'est sans danger? Il m'est arrivé de parler à travers les vitres de voiture pour faire comme ça à la personne, pour lui dire que Corona, il se pose sur ton corps. Puisqu'on dit bien que quand tu rentres chez toi, il faut prendre une douche pour te rincer. Donc, quand tu le tires et que tu le mets là, si Corona est là, toi-même, tu remets ton masque. Il y en a qui mettent sur le front ou bien qui le tirent en bas. Si tu as ça sur la peau, eh bien, quand tu le remets, toi-même, tu le mets au niveau de ta bouche. Donc, si on oublie qu'on le fait descendre là, quand on se rappelle, on le jette. Il faut le jeter, il faut le changer. C'est fini. Il est contaminé. Ouais. Mais non. Ah non, j'avais fait ça. Il se pose sur les vêtements, sur la peau. Si c'est pas vous, comment je vais savoir ça? Non, mais heureusement, c'est pour ça qu'elle est là, justement. Parce que c'est pas évident. On est aussi en train d'apprendre à s'habituer à cette maladie, mais surtout aux mesures. Donc il faut rappeler aux gens. Oui. Tout le monde le fait. Il y a beaucoup de personnes qui le font. Mais je vois ça toute la journée. Franchement. Même franchement. À la télé, on interview des gens et ils ont le masque ici. En plus, c'est là qu'on transpire le plus. Ouais. Donc, même si Corona s'est posé ici, que ça a dégouliné, il peut être là. Il y a des gens même qui mettent le masque là et qui sensibilisent. Ouais. Mais moi, j'ai vu ça. Oui, il parle de Corona, on lui met la main sur son masque. On ne citera personne. Vivement, que votre appel soit entendu. D'accord. En tout cas, Paulus, merci. Je vous en prie, infiniment. Jessica. C'est fini. Docteur, merci beaucoup. Merci. C'est fini. On va peut-être regarder cette vidéo de stérilisation. Je pense que c'est important. Moi, j'ai besoin d'en apprendre et puis je sais que les gens aussi. On va regarder ça. On va regarder la vidéo de Dr Kabouré pour pouvoir stériliser vos masques. Alors, on fait bouillir de l'eau.
hyper simple. Le masque, on l'accroche au poignet de la casserole et on referme. Et là, vous laissez bouillir pendant 5 minutes et votre masque sera stérilisé. Simple comme simpliste, comme on dit. Franchement, je pense que tout le monde peut faire ça. Chez lui, à la maison, pour se protéger. N'oubliez pas de respecter les mesures barrières. Franchement, c'est important, ça sauve des vies. Nous, quand on va rentrer chez nous, chacun va aller mettre son gant, sa cagoule, et puis on va se libérer. C'est mieux. Merci infiniment, merci d'avoir suivi cette émission. Demain, on se retrouve pour la dernière de la semaine. Prenez soin de vous et surtout de vos proches. À demain. Au revoir.